Je dis merci à votre pasteur. Pour avant qu'il puisse voyager, il m'a téléphoné. Il m'a demandé d'être ici le 15 et le 5. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je serai là. Voilà pourquoi je suis là. C'est je dis merci à ces collaborateurs qui m'ont appelé ça hier. Vous téléphonez pour me dire. Vous attendez le dimanche. Je dis je suis au courant. Vous avez même pris les 5 aussi. Merci. Et ça montre qu'il y a l'unité. Nous sommes venus parler de la part de Dieu. Pas de nous. Bisoté. Nous ne sommes que le canal par lequel c'est là-haut. Dieu a préféré passer ce matin. Samba, c'est Péga les canatons balélo. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 28. To Zali Namokana, ya Deutéronome, chapitre 28. Versets 6 à 8. Deutéronome, chapitre 28, versets 6 à 8. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Natangi na komo na Jésus. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi. Seul chef, c'est là mon corps. Et ils s'enfuiront devant toi par cette chaîne. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Dieu bénit sa parole après se mettre. Fan. Nous parlons de la grâce divine, la grâce divine, de point les ton ami balé, de la bénédiction à la victoire. La grâce divine, la bénédiction, la victoire. Alléluia. Amen. Je voulais poser une question. Qui n'a pas besoin de la bénédiction dans sa vie? Nani oyo na bongo na sana posa li pambolite. Qui n'a pas besoin de la bénédiction? Nani azana bosenga li pambolite. Qui n'a pas besoin de la victoire? Azana posa ilunga te. Dans sa vie. Na bongo ina ye. Qui a besoin de la bénédiction? Nani azana bosenga ya li pambolite na bongo ina ye. Nani. Qui a besoin de la victoire dans sa vie? Pour ça, il nous a un bon moyen. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni ce matin. Tamama. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. La bénédiction et la victoire est l'œuvre de la grâce divine. Et ça libre à Missala. Dieu ne nous bénit pas. Parce que nous avons prié. Poète et au bon de la qui? Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons jeûné. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes fidèles à l'église. Le Dieu nous bénit parce sa grâce. Amen. Deux. La victoire est longue. Le pauvre et salimo sala de jeûne et ça mon sala ya koki le palavre ça mon sala te d'être fidèle à l'église sala mon colonion sala ngomo to peko mais la victoire mais et longa et l'œuvre de la grâce et salimo sala nde yangolo. Amen. Qu'est-ce que Ahab avait fait? Ahab a sala kinin pour mériter la victoire, pour te assurer la vie. Est-ce que Ahab avait fait? Ahab a sala kinin. Est-ce qu'elle avait jeûné? A qui?
Par là, je ne veux pas dire que je suis contre de gêner. Non. Je voulais juste te faire voir que tout ce que nous recevons de Dieu, ce n'est que sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas cette faveur. Mais Dieu te donne. C'est comme un prisonnier qui est à Makala. Condamné 10 ans de prison. Il se réveille le matin. Le chef de ce prison arrive. Il lui dit, il y a une grâce présidentielle. Tu es gracieux, nous te libérons. Peut-être là seulement fait 2 ans. Mais la grâce présidentielle arrive. Mais il est libéré. Est-ce qu'il le mérite? Non. Parce qu'il devrait faire 10 ans. Et c'est là que la zone. Mais la grâce est venue. Mais au moment où il ne s'y attendait pas, et il se sentit libéré de la prison. La bénédiction, les pamboles, l'œuvre de la grâce. Joseph était en prison. Joseph là où il était, et si il était dans un pays étranger. Il n'avait ni père, ni mère, ni oncle, ni tante. Seul, abandonné dans la prison. Mais la grâce de Dieu est venue. Et il est sorti de la prison. Et Abima qui est devenu gouverneur. Le pharaon n'a pas posé la question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est-tu dans tu fait? Et que la signe au là, au tableau, n'a pas gouverneur. Est-ce qu'il gênait en prison? Ah ben, la Bible ne nous le dit pas. Biblia est texte le bel bisou. Mais la grâce de Dieu ne veut pas. De la bénédiction. Na koute na à la victoire. Na elonga. Là où nous venons de lire, ici, ce verset nous parle de paroles de bénédiction. Ma comité, oh, je te suis mal, ma pamboli. De victoire et de victoire. Bena, et l'éternel accorde à ses enfants. Oh, Yahweh a pessi la banana yé. C'est Dieu qui dit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, alobi, tu seras béni au pardon arrivé. Et tu seras béni au pardon départ. Des sortes de bénédictions. Deux sortes de bénédictions. Balai à ma part. La première sorte. Yaliboso. La bénédiction. Il pardonne arrivé. Yakokoma. Alléluia. Amen. Deuxième, Yami Bale, la bénédiction du Pamboli du départ. Yakokende. Tu seras béni à ton arrivée. Okopamba, et tu seras béni à ton départ. Okopamba, je voulais dire à quelqu'un. Il y a des gens qui ont une bonne bénédiction. Lorsqu'ils entrent quelque part, ils apportent la bénédiction. Lorsqu'ils sortent, ils sortent avec la bénédiction. Bien aimé. Alléluia. Amen, amen. Dieu dit, Samba Lobi, tu seras béni Pamba ma, à ton arrivée, na koko na yo, et tu seras béni Pamba ma, à ton départ. Na koko na yo. Yes. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui marchent avec bénédiction. Lorsqu'ils entrent quelque part, la bénédiction entre. Les Pamba les côtés. Amen. Là-bas, tu vas à José, à Jacob. Je réalise que tout ce que tu es en train de m'amener, ma maison est qui a apporté la bénédiction? Non, 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 qui? Jacob. Jacob. Il y a des gens.
anges qui marchent avec bénédiction. Lorsqu'ils entrent quelque part, ils entrent avec bénédiction. Lorsqu'ils sortent, ils sortent avec bénédiction. De la bénédiction à la victoire, la première des choses que tu dois réaliser dans ta vie, qui est le porteur de la bénédiction dans ma vie? Ah, Zalimo Memili Pamboli na Pomo inangai. Qui m'apporte la bénédiction? Et qui m'apporte le problème? Des fois, nous nous attachons aux gens qui nous amènent des problèmes. Et nous abandonnons des gens qui nous apportent la bénédiction. Je vais te montrer une chose. Des fois, nous ne savons pas où tenir. Les gens qui nous apportent la bénédiction. Nous ne savons pas tenir. Celui qui m'apporte la bénédiction. Nous ne savons pas. Regarde. Voilà ce que je vais te montrer. Touche-moi ici. Simbanga. Touche-moi bien. Simbanga. Écoutez. Quand tu tiens quelqu'un là, tiens-moi. Simbanga. Tiens-moi bien. Simbanga. Quand tu tiens quelqu'un là, Simbanga. Tu fais comme ça. Sali bongo, sali ni. Tu tombes. Tu tombes. Regarde. Tu me tiens là. Simbanga wana. On marche. Au tambola. Mais maman donné. Je peux faire ça. La rosa la balle. Tiki. Yes. Ok. Tu tombes. Au tu tombes. Au tu ne peux pas continuer à me tenir. Mais, Kasi, moi je peux te tenir. Je te tiens ici. Na simbio awa. Ici. Awa, na simbio bon. Voilà. Na simbio bon. Essaye d'enlever ta main. Mais quand on l'a, tu peux te tenir. Yoka. Parce que j'ai bien connu. Le quoi la simbio sera. A commis. Mais, Kasi ne sera pas. A kokokate. Les grands problèmes aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Yes. Hallelujah. Amen. Tu seras béni à ton arrivée. Il y a des gens qui marchent avec bénédiction. Il rentre dans ta vie. Alors, je veux savoir où tenir. M'occuper. Amen. Des gens qui ne fallait pas tenir. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Maintenant la question, est-ce que mon tour pour recevoir cette bénédiction, pour la cause il faut tenir qui? C'est le Simbanan. Il faut tenir qui? Négocie banane. Dieu dit Abraham. Yoka, ça va bien Abraham. Je peux bénir. La copambo la yo. Disons. Tout temps. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. La copambo. Je rendrai ton nom grand. Comme c'est comme le tu feras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. La promesse de la bénédiction. Et là, quand il parle, Dieu a fait cela à qui? Zamba Saliango na Nantala. Abraham. À qui? Abraham. Dieu dit Abraham. Ça va bien à Abraham. Je te bénirai. Et tu deviendras la source de la bénédiction. Izibali Pamboli. Toutes les familles de la terre. Kilimba Bambota Nyosa. Bako Pamo Manzazela. Dans la question. C'est comme tout les alliés. Pour recevoir la bénédiction. À cause de l'Ipamboli. Il faut tenir qui? Et c'est ce qu'on Simba Nani. Moutouna Siko. Il faut tenir qui? C'est comme Simba Nani. Dans tout le monde, tu réponds, oh, je n'ai plus un mot. Hein? Il faut six bananes. Il faut six bananes. Le juif est devenu aussi. Pour moi, la maïla, il faut que tombe la moussa. Ah? Mais la coste.
La promesse de la bénédiction et la calipam. Dieu a fait cela à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, tu deviendras la source de la bénédiction. C'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Tu veux être béni? Fais bien Abraham. Tu lâches Abraham. Tu perds la bénédiction. Et là où nous venons de lire, ajoute, je te bénirai. La bénédiction d'arriver quand tu arrives. Je te bénirai. La bénédiction qui te part. Et cela se fait voir dans la vie de Jacob. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, Laban est béni. Les jours où Joseph quitte, il part avec la bénédiction. L'erreur de Laban, ma bunga ya Laban, n'a pas su tenir Joseph. Alléluia. Amen. De la bénédiction à la victoire, la première des choses pouvoir réaliser par qui ma bénédiction par le passé. Nous sommes en train de prier. Dieu bénis-moi. Mais curieusement, Dieu ne descend jamais. Pour bénir. Mais il se sert des gens. Des fois, on se débarrasse des gens que Dieu avait placés dans notre chemin. Pour nous conduire à la bénédiction. Et nous nous collons. Réalise dans ta vie qui était le canal de ta bénédiction. Où as-tu mis cette porte? Zamba qui t'a raté pour Pambola. Mais à utiliser Kaba Sandai. À utiliser Kaba tout. Atiye la kayon moutou nan zela na yo pe pambama. Nelo tiye moutou wana wapu. Alléluia. Amen, amen. Dieu, Zab, la manière dont il a organisé les choses, il sait aye, que toi tu dois arriver quelque part. Yo, pour que tu arrives là, wana, il faut qu'un tel te porte. Amen. Mais kas, ta marque de discernement, tu peux te débarrasser mm-hmm. de l'homme ou la femme qui est le problème de ta vie. Notre vie, notre marche, on n'a pas compris. Quand est-ce que Dieu m'avait passé sur le chemin de la bénédiction? Il y a la bénédiction d'entrée et il y a la bénédiction du départ. Il y a des gens, il entre dans ta vie, il t'apporte la bénédiction, mais tu n'as pas de discernement. Tu le laisses partir, il part avec sa bénédiction. Réalise dans ta vie la bénédiction de Dieu passe par le canal de gens que Dieu a préparé, par le canal de gens que Dieu a destiné pour que ta vie soit bénie. Dieu ne fait rien au hasard, ce n'est pas en vain. Il te met en contact avec les gens. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas entretenir des relations. Nous avons une relation. Zamba tue la relation à Moutou. Yaga. A tue la relation à Moutou. Tu marches avec quelqu'un. Tu lui mets le pas. Ce qui est le temps de l'eau. Tu mets. Tu mets. Tu étais au niveau le plus bas. Le plus bas. Mais à cause de lui. Tu marches avec lui. Commence à montrer le monde. Le monde commence à te connaître. Le monde commence à parler de toi. Même si il dit, je n'ai pas besoin de lui. Je vais marcher seul. Tu le laisses. Depuis que tu l'as laissé, tu retournes là où Dieu t'avait pris. Hey! Hey! Hey!
rêve. Réalise ton rêve. Yipa mabunga na yo. Tu vas aller où ça? La vie chrétienne, toujours ça m'a mis. De fois, pas tout le monde a été en train de il dit, la bénédiction d'arriver et la bénédiction du départ. Tout le monde ne marche pas avec bénédiction. Il y a certaines personnes que Dieu a donné la bénédiction pour t'associer à lui. Tu es béni. Tu t'attaches à lui. Tu es béni. Reste avec lui. Ne lui laisse pas, ne lui abandonne pas, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, reste avec lui. Zala, maman Moussousou, papa Moussousou, Kobonga Naye, Zala Maboka Mwana Naye. Mwana Moussousou, Kobonga Naye, Zala Maboka Baboti Naye. Moussousou, moi aussi, je suis là. Sache comment gérer ces relations de Dieu. Passe et les caca par le canal que Dieu a préparé. C'est là y a Amen. Amen. Pour l'avoir, il faut comprendre par quel chemin Dieu veut me bénir. Et partout. Si tu ne comprends pas ça, tu n'auras pas l'occasion. Tu seras là en train de prier. Tu n'auras rien. Écoutez, même si ton pasteur est en voyage, attends, si tu réalises que ta bénédiction c'est plus par lui, tu resteras fidèle dans l'église jusqu'à son retour. Qui nous a causé? La fidèle nous stopper. Yes. Il y a la bénédiction d'arriver. Et c'est là les pas molli à côté du départ. Pour que tu puisses avoir cette bénédiction, tu dois comprendre. Et c'est le sauce. Qui s'attacher? Nani kokanga mal. Qui marcher avec Nani kotambo la naie. Sinon, ceux qui t'aiment, tu n'auras rien. On reste le côté. Il dit, Alobi, je bénirai. Na kotambo dans l'arrivée. Kokoma naie. Et ton départ. Pour qu'il n'ait rien. Non seulement ça, mais passe. Je t'accorderai aussi la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront contre toi. Ils iront par cette chemin. Ils viendront vers toi par un seul chemin. Même moi, l'Éternel, je vais leur disperser. Cet chemin, c'est la sang. La tête. Marche avec la victoire. Et tambola ka. Tes ennemis viendront vers toi. Par un seul chemin. Mais ils feront par cet chemin. Pendant qu'ils prononcent la bénédiction d'arriver à ce départ, ils parlent à des ennemis. Je cherche à comprendre ça. Quel lien y a-t-il entre la bénédiction d'arriver? Ennemi, et ça lui pas je ne vais pas comprendre. Si que ce soit là. Quand on est ensemble, tant que tu sais le mot, tu commences à monter, on connaît comme matin, prospérer, au fond du camp.
Il y aura des jaloux. Et des ennemis. Si tu n'es pas sage, tu te sépares. Mais si tu es sage, Dieu voit que ton nom se trouve entre les mains de cet homme. Mais il y a des ennemis qui veulent vous disperser, qui veulent vous séparer. Pendant que vous êtes innocents, en train de servir et marcher ensemble, mais il y a des ennemis à gauche, à droite, devant, derrière. Dieu le sait. Dieu fera quoi? On va dérouter ses ennemis. On va les fouiller. Ils vont disperser. Pour que la bénédiction que Dieu a reçue soit concernée. Que tu ne perds pas ta bénédiction. La cause des ennemis, des jaloux, des jaloux, des jaloux. Yes. Come on, Dad. Come on. Combien les lois ont souffert. Yes. Yes. Mais si Élisée était imbécile, Élisée qui est imbécile, il l'avait dit à Élie, je te laisse. Il a suivi des gens qui parlaient, mais il n'aurait pas reçu cette onction. Écoutez, je veux disperser tes ennemis. Des gens qui pensent le contraire. Des gens qui cherchent ta ruine. Je veux les disperser. Il a dit, je vais disperser. Ils viendront par un seul chemin. Yes.
Parce que nous avons un Dieu. On doit l'ensemble. Il s'est payé. Il s'est payé. Et nous comptons les gens de bien. Et les gens mauvais. Dieu l'a fait aussi. Nous avons un Dieu. Il peut changer la vie de quelqu'un. Et ce matin, je suis venu bénir. La bénédiction de Dieu. Alléluia ta vie. Il va te bénir. Toi, parce que tu es dans cette église. Parce que tu sers Dieu. La bénédiction de Dieu a mis. Si le bébé la porte de mon âme, c'est la suite. Si dans le volant, c'est la bénédiction. Réchauffez-la. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je t'amène. La victoire. Je te donne la victoire. Je sois la victoire. Il va disperser. Je sois la victoire. Amen. 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 Amen.
droit. La bénédiction de Dieu. À ta droite. À ta droite. À ta droite. À ta droite. C'est le plan du souverain de notre droit. Le plan de finance. Le plan du mariage. Le plan de voyage. Besoin sera. Besoin. Que la grandeur de Dieu se révèle en toi maintenant. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui avait dit Abraham. Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Nous sommes les fils d'Abraham dans la foi. Reçois la bénédiction. Reçois. Reçois. Reçois mon témoin de Dieu. Dans l'église, attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Continue. Serre-lui. La bénédiction. Tombe en sous-bois. Attaché à ton Dieu. Accorde-toi. Avec l'église. Je me livre ta bénédiction et je veux la victoire dans ma vie, dans tout ce que je fais. C'est la sapille, alléluia. Alléluia. Reçois cela.
Ne
Il me dit cette semaine, c'est la semaine de la pluie de la bénédiction. Il va pleuvoir, ce sera la pluie de la bénédiction. Toi qui es là, reçois cette pluie. Reçois cette pluie. Reçois cette pluie. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois. Rabababababa. Reçois Rabba. C'est pas la chimère. La pluie de la bénédiction va tomber. À partir d'aujourd'hui, tout au long de cette semaine, il y a des gens que Dieu va bénir. N'hésitez pas de venir témoigner. Père, je déclare la pluie de la bénédiction. Que cette pluie de bénédiction tombe sur tes enfants. Bénédiction spirituelle. Bénédiction matérielle. Physique. Bénédiction financière. Recevez cela. Recevez-le. Que la bénédiction de Dieu entre dans ta vie, dans ta maison, et que tes ennemis soient dispersés maintenant. Soient dispersés. Tout celui qui te combat dans le, au travail, à la maison, qui se disperse, qui te laisse maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, Tata, je prie pour le pasteur Bogard, sa femme, moi Sinaï. Continue avec nous là où il est. L'église ici. Continue avec nous. Que ta bénédiction tombe sur nous. Celui qui est devenu malade, retrouve la guérison. Au nom de Jésus. Retrouve la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Pour des gens pour la battre, qui sont paix, que rien ne marche et le bien certain temps, et le comment conçu, malgré tous les efforts que vous fournissez, mais rien ne marche. Vous sentez dans vous que rien ne marche, même dans vos affaires, tout semblait bloqué. Mais Dieu me demande de prier. Si c'est toi et la seule qui est sur le prier pour toi, tu veux que les choses se dégagent maintenant. Avance ici, je vais prier. Je vais prier pour vous. Mais je vous dis ce que Dieu me dit de vous dire. Restez fidèles à votre église. Avec vos dîmes. Restez fidèles à votre église. Avec vos dîmes. Sinon le diable viendra à tout moment vous violer. Le diable va être un abino. Vous bloquer. Père, Tata, tu m'as demandé de prier pour ce genre. Tu savais que ce genre traverse le moment difficile. Il se peut bloquer. Et tu as parlé la bénédiction. Parce que tu voulais leur bénir. Je prends autorité. Sur l'esprit de blocage. L'esprit de freinage. Des complications. Dans leur foyer. Dans leur travail. Dans leur commerce. Dans leurs affaires. Je chasse cet esprit-là. Au nom de Jésus. Que cet esprit soit loin. Et tant ta main maintenant ouvre la bénédiction. Que tout commence à marcher maintenant. Pour réussir maintenant. Recevez la bénédiction. Recevez la pluie de la bénédiction. Vivez la bénédiction de Dieu. Et que cette semaine, tout change en votre faveur. La main de Dieu de bénédiction soit sur vous. Recevez. Soyez bénis. Vivez le Pâques au nom de Jésus. Oh, my God.